Dans mon souvenir, il y avait une plaine et un fleuve, des fleurs, un oranger, une falaise et au sommet, des bergers. Un d'eux jouait de la flûte. Ici, il n'y a pas d'amour. Je suis déjà venu, j'ai déjà marché ici. Le Styx. Ils ont l'air de vouloir s'enfuir, mais aucun ne va sur l'autre rive. Il n'y a qu'un courant et tout le monde le suit. Et si on pouvait aller sur l'autre rive? Des recommencements éternels, des attentes, trop. Aux enfers, il y a toujours trop. Un désert plein de choses, des grondements, du gris. Je ne connais pas ces lumières, des feux que personne n'allume. Je ne peux pas rester ici, personne ne le fait. Je suis déjà venu. Le Styx. Dans la Côte du Sud, et on ouvre cette dernière demi-heure d'émission par une fenêtre. Il y a des fresques et aucun temple. Les dieux sont partout, on est obligé de les voir. Est-ce un départ à la guerre? Est-ce une fuite? Dans ce cas, que fut-il? L'air part en fumée. Je dois trouver un chemin. Est-ce ça l'amour? Rejetée au bord du monde, elle rappelle leur destin à ceux qui viennent vers elle. Elles achètent des âmes. Elles sont les bras de la nuit qui sortent aux bras des ombres. Elles sont à vendre, elles ne sont pas à vendre. Il n'y a plus de foule, parce que tous ceux de la foule qui marchaient cette nuit sont repartis pour tourner en rond la nuit, toute la nuit. Ils vont tourner en rond les autres, et elle, elle reste toujours là, sur le bord, toute la nuit. Le Styx a-t-il avalé Eurydice? Mais où faut-il aller?
J'aurais dû lui dire bonjour. Je ne connais pas cette musique-là. Des armures courent on ne sait où avec le vent. Pas de rire, pas de maison, pas de jeu, pas de statue, pas d'art. S'il s'enfuit, il n'y en aura jamais.